pour la première fois de son histoire, l'Audi A3 se découvre. Même en version cabriolet, la très chic compacte de la marque Ozano séduit toujours autant. De son côté, la capote s'escamote en roulant jusqu'à 30 km/h et en à peine 10 secondes. Hormis les moteurs essence, Audi propose deux blocs TDI de 105 et 140 chevaux. Ici, le TDI 105 est franchement à la peine face aux 1430 kg de la belle. Cette motorisation s'avère plus à l'aise en ville que sur les petites routes sinueuses où il faut constamment relancer l'auto. Son seul avantage, une consommation modérée, puisque le constructeur annonce une moyenne de 4,3 litres au 100 km en cycle mixte. La capote en toile filtre parfaitement les divers bruits d'air ou de vibrations, et cela même à haute vitesse. En revanche, une fois la capote repliée, le filet anti-remous devient nécessaire afin d'éviter les turbulences dans l'habitacle. L'intérieur d'une Audi fait toujours office de référence en termes de présentation et de finition dans le milieu automobile. Les plastiques employés sont flatteurs et bien assemblés. La sellerie cuir de couleur rouge proposée par la finition haut de gamme Ambition Luxe est du plus bel effet. A noter que la climauto et le régulateur de vitesse font partie du pack. Quatre personnes peuvent être transportées chevaux au vent. Cependant, l'espace dédié aux passagers arrière est tout de même exigu. Et le coffre ne fait pas mieux. Pour dépanner, les dossiers de banquette arrière se rabattent.